Sous Bopal, maintenant, ton tient juste déclaré, conditions santé de frère Florestal yo pas bon du tout, à cause mauvais conditions détention yo. Jean-Claude Honora et Pierre-Louis France, c'est nom de policiers qui n'a prison tout à cause yo pas décidé exécuter l'autre juge Lamar Bélisère Tabayo pour te arrêter derrière de la loi, maître André Michel, toujours d'après maître Saint-Just, qui dit aptan ordonnance qui doit sortir dans le cabinet d'instruction pour voyer Enol, Josué Florestal et Jean-Robert Vincent à juger dans l'assise criminelle. Maintenant, Newton Saint-Just t'a expliqué. Joseph Florestal, une situation très critique, dans le niveau psychologique et même au niveau physique, parce que Inol est toujours gagné. Au début de l'entrée dans la prison, il a des problèmes respiratoires, donc il va vraiment faire mieux. Et nous pas seulement ouais Inol, nous avons ouais Jean-Aubert Vincent, et que il a été arrêté parce que il a dit qu'il était venu au trac normal. Je suis notre Namel parce que dans la manifestation qui a faite dans la zone Pétionville, il a arrêté le pour ça. Alors que il y a dans le pays ça, même justice ça, je mon drogue dans main, on va pas arrêter parce que il y a un pouvoir tête calé. Et nous avons tous deux policiers qui dans le dossier ça et gain Jean-Claude Honora. Jean-Claude Honora, c'est un policier que la mabilisé a fait pression sur lui pour te dire que et M. André Michel est venu dans le commissariat de Port-au-Prince comme un juge de paix, il était fait déplacer pour être capable de faire une opération. Le fait que le pape voulait faire mentir sur M. André Michel, et bien il est là, dans la prison dans le César. Nous avons tout Pierre-Louis France, c'est son autre policier, et qui est même dans la prison parce qu'il a une opération, malgré qu'il prend balle. Jean-Claude Honora prend balle tout. Mais le fait que deux personnes doivent être servi. Ou t'es de servir pour t'arrêter Mme André Michel, dans la condition qu'on est, eh bien, il est en prison. Et puis, Joseph Florestal, dans la même situation mentale avec Frélie. Donc, son situation qui est vraiment critique. Par exemple, je dis à ses anniversaires, pas même choisi de fêter avec M. en prison. Parce que c'est même bataille à faire avec nous. Là, nous sommes dans la condition d'arrêter Noël Florestal. C'est parce que il n'a pas de prendre l'argent dans Melo à la mode. Il n'a pas de prendre un job dans Melo à la mode parce que Melo à la mode est rencontré avec elle. Le 11 juillet pour te offrir le poste, pour te offrir l'argent, pour te capable d'abandonner le dossier de corruption de la famille présidentielle. Imaginez deux policiers qui malheureusement dans l'opération, ils ont tiré sur eux, ils ont défendu la tête. La police là, le lendemain des événements, ils dit battre bravo, ils dit monsieur, ça va défendre l'institution, ça va défendre la société là, parce que ils ont agi en état de légitime défense. Là, ils ont fait dans le dossier ça, la police est bien avocat. Là, ils ont fait opération. Et côté que malheureusement, Franzi Duverso était mort, mais la police était baillé au avocat. Le dossier a marché très bien. Et la justice a dit et que tout le monde a fini parce que le bagage est retenu vraiment. Jodia là, comme il a servi à dossier pour faire politique, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'avocat aider. Alors que la police a gagné des avocats que la paix pour assurer la défense policière. Maintenant, on a qui niveau de dossier. Et nous, au courant, on peut gagner un soir communiqué qui a le parquet. Et par qui a dû retourner dans le cabinet d'instruction pour une ordonnance. Mais nous-mêmes, nous continuons à mobiliser. Il est clair que Enol Florestal, Josué Florestal, gagné également Jean-Aubert Vincent, qui a une ordonnance qui sortit, qui voulait la juger selon ça. Et l'État de l'assistance criminelle, nous allons l'assister, nous allons l'accompagner. Et puis les deux policiers, Jean-Claude Honora et Pierre-Louis France, y a ordonnance qui est sortie dans le mois de mars après le carnaval là.